74 artistes représentent la région de l'Est à la Biennale de la culture burkinabé, des ambassadeurs qui n'entendent pas y faire de la figuration. Ils multiplient donc les répétitions avec en ligne de mire les premiers prix. Justin Tchendribeogo et Bernard Diasso nous font le point des préparatifs. Comme tous les jeudis et dimanches, c'est encore une répétition de routine pour la troupe Yempabou de Fadan Kourma. Une répétition qui peut durer 3 heures d'horloge et c'est là dans le cadre de ses préparatifs pour représenter la région de l'Est à l'édition 2024 de la Semaine Nationale de la Culture, SNC, qui va se dérouler à Bobo-Dioulasso. Pour sa quatrième participation à la SNC, la troupe Yempabou compte rééditer son exploit de 2019. SNC là, c'est pas quand même aller s'asseoir et puis connaître Bobo et replier. Donc sincèrement, nous on compte de venir avec les trophées. Tout comme la troupe Yempabou, Balkim Namwano, vedette de la chanson traditionnelle, et son équipe qui participe pour la première fois à la SNC, ne cesse de répéter des chansons d'amour, de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Je compte aussi sur la population, puisque la population a mis son espoir sur moi. Et moi aussi, je ne tiens pas à la décevoir. Toute la région de l'Est compte sur ma voix. Et moi aussi, je mettrai tout mon talent en jeu pour pouvoir amener ce que la région attend à mon retour de la SNC. Pour l'édition 2024 de la SNC, ce sont au total 74 artistes qui vont représenter la région de l'Est. Ces artistes sont issus des disciplines comme la danse traditionnelle, la musique instrumentale, la chanson traditionnelle, le slam, l'art culinaire, la chorale ou encore la lutte. Depuis qu'ils ont obtenu leur ticket, on ne cesse d'aller vers eux pour leur encadrement. À l'étape actuelle, je peux dire que les trous sont prêts. Les trous sont prêts. C'est seulement deux trous sur lesquels on n'a pas pu encore visiter, mais comme nous avons encore un mois quelque devant nous, et la programmation est faite, on va sortir aussi, aller à 35 km pour pouvoir voir la troupe Zodo et la troupe Nassobdo. L'année passée aussi, on les avait visités deux fois. Selon la direction régionale en charge de la culture de l'Est, vu l'engouement au sein des différentes troupes, les artistes sont déterminés et engagés pour revenir avec des trophées à l'issue de la SNC 2024.